Eh bien, salut tout le monde, c'est Shiner pour mon quatrième épisode de Amnesia à Machine for Pig, hein, le playthrough que vous suivez depuis quelques jours maintenant, depuis une semaine à peu près. Et aujourd'hui, vous pouvez voir ma tête dans la petite webcam que j'ai installée récemment, que j'ai achetée récemment, qui règle le problème de la facecam en fait que j'avais à cause de ma vieille... PS4 hein, qui ne marchait plus, en plus elle s'est cassée la gueule 2-3 fois, donc l'image est complètement dégueulasse. Et en plus avec les drivers ça ne marchait pas avec le logiciel d'acquisition vidéo de la caméra. Donc là maintenant le problème est réglé, donc vous pourrez avoir ma réaction en direct en facecam. Donc voilà, donc là on va pouvoir continuer Amnesia. Alors je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais laissé là juste avant de sortir, hein, on venait de sortir de l'église complètement horrible. Et donc et ben voilà, on va pouvoir continuer et voir ce qui nous attend. Alors donc là déjà on est dehors. Il y a une petite musique. Je vais essayer de garder ma lampe, un vieux réflexe. Oui. Too damn bony. Trop décharné. Qu'est-ce que ça veut dire décharné? Qu'est-ce qu'on est? Mandus & Co. Meat Processing Factory. Donc en fait c'est ça, on est dans une boucherie en fait. La compagnie de traitement Mandus. Je frissonne encore en repensant à ce que j'ai vu. Mais j'ai enfin atteint la partie principale de l'usine. Je dois poursuivre ma descente pour évacuer les eaux. Tel Moïse, j'écarterai les eaux et je libérerai mes enfants adorés de cet abominable berceau. C'est magnifique tout ça, dis donc. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On n'a rien du tout. Est-ce que je peux rentrer là? Oui, je peux rentrer là. Je suppose quand même que c'est là que je dois aller. Là, on n'a rien de particulier. Là, on a une lampe avec un enregistrement. D'accord. Oui. Nous transforme en porc. Ah, je veux pas être transformé en porc, hein. Je veux pas être comme un de ces cochons là. In the workhouses, in the orphanages, the belief in heaven is surely the only succor one can find. C'est pas gentil. We do not need to wait. Je prends la chaise, moi. We can bring forth paradise now. We can speed the passion. With only a small sacrifice, we can hold the apocalypse. With just a small sacrifice, we can free the shackles and deliver them to paradise. Tais-toi. Espèce de dictateur là qui essaie de nous endoctriner dans un. Dans un paradis où les cochons seraient des dieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Salle des pistons. Ah. Là, on rentre déjà dans quelque chose d'un peu plus costaud. Ah non, hein. Ça va pas continuer. Hein. Ça va pas continuer. Hein. Il est où? Mais non, il n'y a personne, c'est juste une petite blague. Via un piston qui se déclenche tout seul. Ok, ok. Pas gentil. Je t'ai vu! Je t'ai vu là-bas! Espèce de vilain cochon. Ok, je peux pas passer par là. Un marteau, je peux pas prendre un marteau pour me défendre. Pick the hammer! Je voulais pas prendre le marteau. Bonjour. Bon, cochon, je t'ai vu. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Comment est-ce qu'on pourrait les appeler? Oh. Je sais que tu es là. Fais pas semblant de te cacher, je sais que tu es là. Attendez, est-ce que je peux monter là au moins? Je peux monter, mais je crois que ça sert pas à grand chose. Qu'est-ce qu'on a là? Une salle des machines. Of course. On n'aurait pas de truc à récupérer là, la plante. Je peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh, un train. Hey, le train. Je peux ouvrir les fenêtres? Ah voilà, on va laisser un peu ouvert. Voilà. Téléphone. Allô? Oui, bah je sais qu'il y a des monstres qui peuplent cet endroit.
sous les pistons. D'accord, bon bah c'est le saboteur qui a fait quelque chose apparemment, donc faut trouver le saboteur. Le fucking saboteur de piston, oh une note. Chaque compartiment est ergonomique et doté d'un système d'alimentation de manière à positionner naturellement le produit et permettre au bras assommant d'accéder au crâne. Nous utilisons une charge statique générée par la friction du chariot contre la courroie pour produire une charge électrique contenant les récipients en verre. Ok, je sais pas ce que c'est mais ça me fait peur. Bon, tant pis, est-ce qu'on peut ouvrir le troisième tiroir? Oui, il n'y a rien d'autre, à part un bouquin, et là-dedans, il n'y a rien du tout. Je trouve ça quand même dommage qu'ils aient supprimé le système d'inventaire, parce que je trouvais que ça rajoutait quelque chose à faire au jeu, plutôt que de tourner en rond, d'éviter les mobs, et ça permettait de chercher quelques trucs, encore un masque de cochon. Ils devraient ajouter ça dans le DLC, de pouvoir collectionner les masques de cochon comme des trophées. Qu'est-ce que... Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Y'a quelqu'un? Ok, sous la salle des pistons. Quelque chose me dit que là, ça va pas être une partie de plaisir, les amis. Croyez-moi. Ok, là, on a un coffre vide. Là, on a des pistons. Ça, c'est pas gentil. Là, je dois mettre du charbon, c'est ça? Non, je dois rien. Si. Je peux les prendre, ça? Faut que je mette du charbon? Faut que je mette du charbon, que je déplace ça, que j'enlève ça. Yeah. Et là. Fucking machine, je peux fermer ça? Si je ferme ça. Non, là je... Faut que je mette le charbon, c'est ça? Ça paraît logique de mettre le charbon quand même. Ensuite on ferme. Ensuite on allume. Voilà. C'est bel et bien comme ça qu'il faut faire. Donc là j'en ai déjà un qui est allumé, d'accord, oui, en fait il me montre comment il faut faire. Là j'ai du charbon, faut que j'en remette. Non, faut pas que j'en remette, faut que je déplace ce charbon jusqu'à une autre un autre four, c'est ça? Ou alors il faut peut-être plus de charbon. Non, là ça a l'air de bien cramer, puis je peux pas l'arrêter. Bon, on va laisser ça comme ça, hein, on va bien voir. Hello? Bon. Bon, hein. Je comprends pas trop ce qui se passe. Bon, on va laisser faire. Hein. Alors. D'accord, four 1 et 5 allumés. Le four 3 est éteint, donc faut que j'aille allumer le four numéro 3. Alors là, il y a quelqu'un qui a utilisé ce gros maillet pour se défendre. Je peux l'ouvrir celle-là? Ah oui. Non, je peux pas, c'est bloqué, d'accord. Là, est-ce que je peux ouvrir? Oui, je peux ouvrir. C'est quoi? C'est le four numéro 3? Ah, c'est le four numéro 3. Fabuleux. Hop. On ferme. Ferme, j'ai dit. Et on allume. Magnifique. Donc là, four numéro 3 allumé. Est-ce que je peux tourner une valve ou faire quelque chose? Allumer un bouton? Est-ce que je pourrais avoir moins de bruit, s'il vous plaît? Valve numéro 3, valve numéro 5, 6. Valve numéro 4. Ah, voilà. Donc 4 s'allumer, c'est ça? 4 s'allumer. Il manque le 6, donc j'ai allumé le... Ok, d'accord. Bon, c'est assez simple à comprendre. Donc le 5 est déjà allumé et le 6 pas, donc faut que j'aille allumer le 6. Mais là, quelque chose me dit que ça va pas être cool, là. Quelque chose me dit méchamment que ça va pas être cool. J'espère quand même que si, ça va être cool. Soyez cool avec moi, les amis. Je fais rien de mal, moi. Ah. Oh. Fuck. Il m'en faut deux. Il n'y aurait pas un bout qui traîne là-bas? Évidemment, il n'y en a pas. Si, là. Ouf. Allez, hop. Bonjour, charbon. C'est pas moi! Arrêtez avec les bruits! Je fais rien, j'allume les fours, moi. Oula. Ok, nouvelle note dans le journal. Feu et acier. Les foyers sont entretenus. Cet endroit a été conçu par le même architecte que l'usine chimique. Les pistons doivent être reliés à un système de contrôle centralisé qui ne devrait pas être difficile à trouver, en espérant que les saboteurs soient contentés juste d'éteindre les foyers. Eh oui. Donc là, je pense... Est-ce que j'ai encore besoin de retourner là? Oh, le masque, je l'avais pas vu, lui. Il était là, juste avant? Est-ce qu'il y a quelque chose là? Non, là, il n'y a rien. Bon, là, il n'y a rien à faire, je vais continuer. Arrête la musique!
Elle me fait peur la musique. Oh. Bug de collision. Accès au piston inférieur interdit lorsque les machines sont arrêtées. D'accord, donc là c'est tout allumé. Les bras de l'hélice sont en acier. Les pistons silencieux, l'usine est à l'arrêt. Je crains de devoir mettre les mains dans le cambouis pour me frayer un passage. Compte tenu de la taille de ce moteur, tout porte à croire que le complexe est beaucoup plus grand que ce que l'on peut voir en surface. Mon ami a sûrement raison, la majeure partie de l'usine doit être souterraine. Nous sommes tout près de la Tamise, pas étonnant que les risques d'inondation soient si grands. La Tamise? C'est où ça? Je suis nul en géo, hein, donc me demandez pas où c'est la Tamise. Faut que j'actionne des pistons, faut que j'aille où? C'est encore une énigme pour Dr. Sherlock Watson. Ah, une note. Plusieurs vents de collecte ont été fixés au plafond à ce stade de la chaîne lors de l'assainement et du saignement. Le produit refoule souvent des vapeurs nauséabondes issues de son système digestif. Et celle-ci peut-être... C'est dégueulasse! En fait, les notes, c'est juste... C'est juste les putains d'expérimentations sur les porcs, quoi. C'est juste... ignoble. Ouah. Bon, il va falloir que j'aille par là, je suppose, quand même. Un minimum. Comment je passe par là? Comment j'ouvre cet endroit? Je peux pas passer? Et là, je peux pas passer? En sautant par ici. Non, y a rien à faire, de toute façon, là. Si je continue par là... Là y a rien à faire, là y a rien à fouiller. Dégage la chaise. Bah. Oh. Genius. Stop. Les fours sont-ils alimentés? Oui, les fours sont alimentés. Une valve, deux valves et trois valves. Et ça c'est pas gentil d'avoir. Qu'est-ce que... D'accord, ok, là c'est les pistons. Je... Va-t'en. Bilan cochon. Va-t'en. Où est-ce qu'il est parti? Pitié, faites qu'il n'y a personne là. Ok, ça s'est fermé. Ah, je continuerai après. Ah, je vais vous faire chier, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour l'instant et je continuerai la descente aux enfers au prochain épisode. Donc voilà, désolé, un épisode pas très palpitant, un peu plus travailler les méninges. Et ben voilà, donc on se retrouve pour le cinquième épisode la prochaine fois où je vais descendre dans ces abysses des pistons. Oh mon dieu. Salut tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine.